Le célèbre Mark Twain a écrit « Dieu créa Maurice d'abord, ensuite il créa le paradis. Des lieux paradisiaques, des sensations fortes, mais non sans danger. Voici des paysages à couper le souffle, mais qui peuvent aussi ôter la vie. » Bassin Loulou. Situé en plein cœur des bennes et d'une profondeur de plus de 4 mètres, ce bassin est souvent fréquenté par des jeunes. Il a fait plusieurs victimes. Les dernières en date sont deux frères. C'est en tentant de venir en aide à l'un que l'autre s'est retrouvé en difficulté. Ils y ont laissé la vie. Point naturel. Il est constitué de rochers volcaniques qui ont été taillés par l'usure des vagues pour former un pont. Le lieu est très prisé par les tours opérateurs qui y amènent des touristes. Et malgré le fait que la baignade y est interdite, ils sont nombreux à piquer une tête. Le souffleur. Situé dans le sud, la particularité de ce site est le bruit que font les vagues violentes en s'écrasant contre les falaises et ses crevasses. Au fil des années, l'endroit est devenu une attraction touristique. Les pêcheurs du coin s'y rendent souvent pour pêcher malgré les houles. Gris-gris. Son nom proviendrait d'un rocher qui a la forme d'une sorcière. Malgré les panneaux d'avertissement, certains s'y aventurent au péril de leur vie. La roche qui pleure. Située tout près de Gris-Gris, les vagues y sont très violentes. Rochester Falls. Cette cascade est très prisée par les collégiens, car elle est une cachette parfaite pour faire l'école buissonnière. Son bassin est aussi l'un des plus meurtriers. Cette cascade. Située à Henrietta, sa profondeur varie entre 8 et 18 mètres, ce qui rend les recherches difficiles en cas de noyade. Les gorges de la rivière Noire. Malgré les panneaux d'avertissement sur place, des membres du GIPM sont souvent appelés à secourir des randonneurs en difficulté. Le site n'est pas meurtrier, mais comporte tout de même certains risques. Le Pouce. L'escalade de cette montagne peut être dangereuse si on n'est pas équipé convenablement ou si on n'est pas accompagné de quelqu'un qui connaît bien le coin. Montagne Jaco. Les gens s'y rendent pour passer du temps, pour plonger ou pêcher. Situé à Pointe-aux-Sables, ce site a fait plusieurs victimes, dont certaines qui n'ont jamais été retrouvées. La montagne est aussi un lieu très fréquenté par des voyeurs et des voleurs. Comment est-ce qu'on vit la pêche ici? Moi, bien, bien longtemps. Je suis à mes enfants. Vous venez avec moi ou pas? Ici. Non, vous venez avec moi ou pas? J'ai encore l'école. Papa, ici, tu es venu la pêche? Oui, ici, la pêche, oui. Oui, tu viens la pêche. Là, on prend la pêche en ligne. Depuis ça, on continue la pêche. Même. Mais ici, une place qui souvent a un problème ici, montagne à côté. Oui, souvent a un problème. Donc, la mer est bonne, pas grand problème. Faut dire la mer gros, et là, vous avez un problème. Et là, on gagne l'école. Là. Mais où qui message maintenant pour passer avant du monde qui vient s'aider ici là? Et moi, je vous donne un conseil, quand la mer gros, pas venir, pas venir s'aider. Mais la mer capable. Oui, capable nager là, oui, là, correct là, oui. Les trois mamelles. Nombre de randonneurs s'y sont perdus. Cette montagne du sud, reconnaissable par sa forme en trois mamelles, n'est accessible que par une forêt et une terrible route rocheuse. Ceux qui en ont fait l'escalade affirment que la montagne centrale est la plus difficile. Montagne Lyon. Située à Vieux-Grand-Port, la montagne est accessible par des sentiers rocheux qui deviennent irréguliers au fur et à mesure qu'on avance. L'ascension de la montagne est considérée comme difficile. Est-ce que les victimes sont particulièrement les jeunes ou concernant les rivières, les montagnes? Non, je dirais qu'il y a toutes sortes d'âges. Par exemple, on avait retiré une famille l'année dernière à cette cascade où il y avait une fillette de 3 ans, 3 ans et demi. Et on a retiré quelqu'un du pétrin, c'était en 2014. C'était une personne âgée. C'était, bon, je ne sais pas si je peux citer le nom. Dada Malek, oui, c'était Dada Malek après 3 jours d'opération dans les gorges de pétrin. Donc, comme vous voyez, l'âge, ce n'est pas vraiment les jeunes, mais c'est toute une palette. Ça dépend des activités aussi. Pour moi, les sites ne sont pas dangereux en elles-mêmes, mais ce sont des sites qui présentent des risques. Chaque site a ses risques particuliers. Les risques que vous avez à cette cascade, par exemple, ne seront pas les mêmes des risques que vous aurez en montagne. Donc, ces sites-là, pour nous, on les connaît bien. Il y a cette cascade, il y a les gorges, il y a Trois Mamelles, il y a Montagne Remport. Il y a le Pouce, Peterbouf, Montagne Lyon. Il y a toute une palette de sites, mais les risques sont différents sur chaque site. Et je vous redis que les sites ne sont pas vraiment dangereux. Provided que les gens ils ont un minimum de connaissance du lieu où ils vont faire une activité.
et qu'ils ont un minimum de formation sur l'activité qu'ils vont faire. Voir s'ils n'ont pas de formation, se faire accompagner par un professionnel. Bon, côté de la mer, c'est plutôt la National Coast Guard qui s'occupe des missions de sauvetage, mais quand même, on a fait quelques-uns. Mais c'est plus par imprudence qu'il y a des problèmes. Parce que si on prend le pont naturel, il y a un mur là-bas. Et si on ne traverse pas le mur, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on essaie de traverser le mur pour aller de l'autre côté, pour aller voir au plus près, c'est là qu'il y a des problèmes, comme je vous ai dit. C'est par rapport aux risques inutiles que les gens prennent qui causent des problèmes après. Je pense que c'est très important d'avoir des panneaux indicatifs et que ça pourrait éviter beaucoup de problèmes. Dès qu'il y a un panneau et ne pas nager, par exemple, les gens, bon, il y a toujours quelques imprudents, mais ça, déjà, ça va faire tic dans la tête des gens de ne pas nager. Et là, je dirais, par exemple, au cette cascade, on a beaucoup de gens qui se perdent par méconnaissance du terrain. Et que là aussi, quand on parle de panneaux, je pense que le ministère aurait pu faire un effort, comme ça a été fait pour les gorges de la rivière Noire, et baliser le terrain, mettre quelques panneaux, ça aurait beaucoup facilité la tâche des randonneurs. Et oui, justement, aussi pour des bons... Peut-être que là, on est en 2016 avec l'avènement des technologies et tout ça, mettre des bornes téléphoniques un peu partout, qui sont balisées, bien sûr, et que ça répond directement soit des pompiers ou du standard de la police, que dès les gens prennent ce téléphone-là, on sait exactement où ils sont. Et donc, par rapport à ça, ça facilitera l'équipe qui va venir au secours de ces gens qui sont perdus.